là aussi dont on a eu la chance de faire le lancement il y a quelques mois. Alors il y a beaucoup d'ouvrages, peut-être, je ne sais pas pour quelle raison, sur la Seconde Guerre mondiale, sur aussi les conflits, malheureusement, dont on peut aussi avoir des rebondissements depuis les jours avec les événements dramatiques qui se développent en ce moment. Mais en tout cas, moi, ça a été aussi un truc de malade, puisqu'il s'agit de la vie de Madeleine Riffaut. Madeleine Riffaut, elle est encore vivante, elle a 98 ans. Elle a eu un parcours, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer si vous ne connaissez pas cette vie. Là aussi, avec la connaissance, et puis d'être un vieux libraire, c'est de connaître les auteurs et de nous avoir interpellés aussi sur cet ouvrage qui allait sortir. Donc on a eu la chance d'avoir Madeleine Riffaut en visio au moment du lancement, qui a une prestance, qui a eu une mémoire, qui a eu, mais c'est invraisemblable. Et en fait, il s'agit de sa période lorsqu'elle est jeune et lorsqu'elle s'engagera dans la résistance. Mais cet épisode n'en restera pas là. Elle n'en restera pas là, puisqu'elle va avoir la chance de s'en sortir. Et derrière, elle aura une vie complètement invraisemblable. Elle part pour le sud-est asiatique. Elle devient proche d'Ho Chi Minh. Elle fait un bouquin dans les années 70 sur l'état des hôpitaux français. Enfin, elle a une vie invraisemblable. Et lorsqu'elle dit résistante, c'est qu'elle a eu de nombreuses fois... elle devrait être morte, cette femme. Elle est toujours là. Il a 98 ans, elle est toujours présente. Et elle a dit, de toute manière, je ne mourrai pas avant que cette trilogie qui parle de ma période sur la résistance, ne soit sortie. Allez voir, et Dominique Bertaille, ce dessinateur, qui a tout axé sur une bichromie bleue, c'est un petit bijou.